C'est somptueux, non ? Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Cette semaine, je vous emmène en Corse, et plus précisément dans la moitié nord de l'île, des montagnes au centre, jusqu'au Calanque et aux plages de la côte ouest. En plus des sublimes paysages de l'île de Beauté, eh bien, ce sont les terroirs et la gastronomie que je mettrai à l'honneur au fil de mon voyage. La richesse de ce territoire offre en effet une grande diversité de produits et de spécialités. Derrière ces traditions culinaires, eh bien, ce sont des hommes et des femmes qui œuvrent souvent de génération en génération pour faire perdurer ce patrimoine gastronomique. Et c'est avec ces passionnés que je vais découvrir les savoir-faire et les atouts gourmands de la Corse. Soyez donc les bienvenus dans mes échappées belles. Benvenuti in Corsica! Bienvenue en Corse. Jérôme Pitorin vous invite à partager une échappée belle très corse. Voilà, donc on arrive dans la vallée de la Restonica, qui est la plus belle vallée de Corse. Je confirme. Ouais, j'ai deux personnes objectives autour de moi. Pour le plaisir des papilles. Ça peut se manger chaud également. Oui, bien sûr. Ouais. Non, on a des gens qui viennent spécialement à l'heure du brunch, ou juste pour le manger tiède, c'est leur petit plaisir, tu vois. Salut. Pour le plaisir des yeux. Plus près de la nature qu'ici, vous pouvez pas. Bref, pour tous les plaisirs. Et là, une autre plante endémique. Ah, ça picote, hein. Elle fait décoller ceux qui la sniffent. On se régale. Les animaux qui sont tout le temps en liberté, c'est une viande très grasse, qui est une viande de très bonne qualité pour charcuter. En visant l'excellence. Ce que je cherche avant tout, c'est un produit respectueux du savoir-faire, respectueux de notre terre. La Corse, une île gourmande. Bonsoir, alors les huîtres, c'est pour qui ? Bon appétit, Jérôme. Franchement, et pour du surgelé, c'est vachement bon. Du surgelé ? Oh, cabrotido. Salut Jérôme! Allez, monte jusqu'ici, tu ne seras pas déçu. Une vue de perché, Corté. Bienvenue au belvédère de Corté. Bah, je comprends pourquoi tu m'as donné rendez-vous ici. Hein. Le patrimoine naturel, le patrimoine historique, tu as tout ici. Ah, c'est sublime. Puis il y a aussi. C'est une ville universitaire. C'est clair. Donc la seule université que nous avons en Corse, elle est à Corté. Donc c'est encore une fierté. Alors c'est là que tu officies, toi ? Voilà, c'est là que depuis 33 ans, j'enseigne l'hydrobiologie, c'est-à-dire la biologie des eaux douces. Alors que ce soit les rivières, hein, j'amène mes étudiants dans la Restonica une fois par mois, ou alors dans des lacs d'altitude, parce qu'on a de très beaux lacs en montagne. Elle est belle ta ville, Antoine. Hein, oui, regarde la belle vue. Et puis tu vois, là, c'est la maison où je suis né. Là, en face ? 62 ans, exactement, en face. Palais national. Alors, c'était le siège du gouvernement de Pascal Paoli lorsque, au 18e, la Corse était indépendante. Donc, la Corse avait son armée, avait son industrie, avait sa monnaie. Et donc, ça, c'est quoi, milieu du 1755-1769, ça, c'est exact. C'est la période indépendante, d'accord. La période de l'indépendance, où Pascal Paoli a rédigé une constitution. Ah oui, carrément. La première constitution moderne, Pascal Paoli a donné le droit de vote aux femmes. En France, les femmes elles ont voté après les années 40, hein, c'est inimaginable. Un personnage important de l'histoire de la Corse. Très important. Merci, professeur. Ça fut un plaisir, mon cher. Ouais, là, Jérôme, je t'amène dans le bar que je fréquente, bon, un bar assez extraordinaire. Merquette, vous m'avez dit. Bonjour. Ça va, Toitouane ? Ça marche. Et toi ? Toitouane, c'est son surnom, Toitouane. Bonjour. Je t'en prie, passe devant. Bonjour. Voilà. Tu plais, comment ? Quoi ?
Bravo, hein. C'est un vrai spectacle, les gars. C'est quoi, ce jeu? La mort. C'est un jeu typiquement corse, mais qu'on retrouve aussi du côté du Maghreb. D'accord. Le pourquoi? Ah, ça a voyagé. Hein. Ça a voyagé. Ouais. Voilà. Ça se joue à deux. On doit deviner la somme des doigts que on découvre en même temps. La somme des deux mains, la tienne et la mienne. D'accord. Vous avez appris à jouer à quel âge, les garçons? Oui. Ouais. Moi, 15 ans. Donc on peut pas jouer à la mora si on parle pas le corse. Et si on a une extinction de voix, c'est fini. C'est pas possible. Voix, non, pas jouer, mais après, l'amour, il y a beaucoup de gens qui le jouent. Il y a le sarde. Ah oui, le Basque, le Pas-de-Calais. Du patrimoine immatériel, mais c'est du patrimoine aussi. Il ne faut pas que ça se perde. Et c'est bien quand ce sont des jeunes, pas les vieux cons comme moi, qui jouent à mort et qui n'ont pas la voix. Ah, Roselyne, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Bon, Jérôme. Bonjour, comment vas-tu? Santé. Je vais commander une spécialité dont elle a le secret, une spécialité corse. D'accord, une spécialité corse. Et ça s'appelle comment? Ce sont des tartes aux herbes ou herbades en Corse. Ces talents culinaires font que ces tartes aux herbes sont exceptionnelles parce que bah, tu vas nous dire ce que tu mets dedans. C'est pas seulement de l'oignon. Non, il y a des blettes. Ce sont des herbes que je vais cueillir. Dans le maquis, dans un le peu partout. Enfin, dans le maquis, ouais, oui. Je monte au village, dans la région. D'accord. Surtout. Il y a de la bourrache, du fenouil. Non. Et surtout, ce qui donne le goût, c'est la menthe aquatique. Je ne connais pas ça. Alors moi, ce que je te propose, c'est d'aller déguster cette tarte aux herbes au bord d'une rivière. Allons faire ça, ça me plaît beaucoup. Allez. Vous me ferez savoir si ça vous a plu. Oui, merci. Bon après-midi. Ciao, ma grande. Ciao. Salut. Ciao. Ça sent bon, ciao, en tout cas. Hein. Ciao, toi. Ciao. Attention, Jérôme, ça glisse. On va être bien là. Installe-toi, tu es ici chez toi. Quelle est l'histoire un peu de cette rivière? Parce que je sais qu'elle est importante dans la région. Alors, au-delà du côté hydrologique, il y a la légende. Il y a une légende qui dit que par des temps reculés, la Corse subissant une sécheresse terrible, toutes les rivières s'étaient asséchées, sauf cette rivière. Et donc, elle a été baptisée Resta Unica. Elle resta unique à couler et ça a donné la Restonica. Qu'est-ce qui te passionne autant dans cette eau? Alors, on est tous nés dans l'eau, on a tous vécu dans l'eau, 9 mois dans le ventre de sa mère. Moi, je crois que j'ai continué à 200 ans, il faut que je m'immerge. Alors, je m'immerge, c'est peut-être le ventre nourricier. C'est ton liquide amniotique à toi. C'est exactement, mon liquide amniotique à moi. Ouais. Proust avait sa Madeleine, moi j'avais ma Restonica. On n'est pas là par hasard, on va en plus... Écoute, c'est vrai que je t'ai invité. Alors tiens, on va partager. Merci. On sent vraiment la menthe. Mais c'est frais, il y a un truc frais. Hein. De l'authentique, là-dedans. Comme un petit morceau de Corse. Exactement. Entre mer et montagne, l'île Rousse est un concentré de Corse. Et son marché aux allures de temple romain fait le bonheur des gourmands. Pour cause, on y trouve tout ce que la Corse offre de meilleur aux papilles. Des produits frais. Et voilà les poutilles. Et les incontournables de la gastronomie locale. On y découvre aussi quelques spécialités au nom on ne peut plus corse. Vous avez donc ici le charcioli qui est une spécialité assez locale, c'est sucré. Et à côté, le miatch. Vous avez aussi le bouillich qui est un beignet. Un marché qui a un goût de vacances toute l'année. J'aime bien le contact avec les clients, avoir un petit peu de temps et pouvoir parler avec les clients. Pour présenter leurs produits aux clients dès 8h, ces artisans sont sur le pont dès le lever du soleil. Le retour des pêcheurs au port marque le début de la journée de travail d'Olivier. Après avoir réceptionné la pêche de la nuit à Bastia, il parcourt plus de 80 km pour vendre ses poissons frais à l'île Rousse.
Ma famille est originaire d'ici. Le marché des loups, c'était le commencement de notre société. Et nous l'avons maintenu. C'est un très beau marché, très agréable en plus. Et tous mes clients sont devenus pratiquement des amis. Et voilà, la journée commence. Bon. 6 heures du matin, Olivier est l'un des premiers commerçants à s'installer. On va commencer par mettre. Alors ça, ce sont des araignées qui ont été pêchées cette nuit. Qui sortent de l'eau. Alors ça, c'est un rouget gondin, regardez. C'est un poisson volant. Regardez les ailes qu'il a. C'est magnifique, ça. Hein ? Je vais en mettre là. Bon, allez. Cette nuit encore, la Méditerranée a été généreuse. On a encore un produit de qualité. La pêche extra fraîche, pêchée de la nuit, vendue le matin. Les Corses connaissent énormément le poisson, surtout ceux du bord de mer. Hein. Donc il faut toujours être à la pointe de la fraîcheur. Olivier est l'un des plus anciens ici. Il a quasiment grandi sur le marché. Son père tenait déjà le stand de poisson dans les années 70. Merci à vous. Le marché, c'était quand on était môme, on jouait dessus, on jouait derrière les colonnes. Ce sont que des amis que nous avons sur le marché, hein, presque tous. Et on est une grande famille. On se connaît depuis qu'on est môme, donc on connaît les défauts et les qualités des gens. Situé en plein centre-ville, le marché est le poumon de l'île Rousse. Une clientèle d'habitués et de touristes y rencontre les producteurs locaux. Pour tous, le stand de charcuterie de Pascal est un incontournable. Alors nous, on choisissait le bruit. Ça c'est pas mal. Là, nous avons un peu de saucisson de porc, nous avons de la copa. Fait dans notre charcuterie, on a un peu de lonzo aussi. Avec 15 ans de métier, Pascal sait comment appâter les clients. Goûter ses produits, c'est les adopter. Les gens goûtent le produit et il y en a beaucoup. Une fois qu'ils ont goûté, ils achètent. Les gens maintenant veulent goûter beaucoup. Avant d'acheter, ils veulent goûter. Vous voulez goûter, monsieur ? Ah, je veux bien, monsieur. Ah, oui. En tant que Belge, on vient découvrir vos spécialités corse. Voilà. J'ai découvert le fromage de chèvre et de brebis. J'ai appris que le roquefort, dans le temps, se faisait ici. Donc, il y a plein de nouveautés. Et alors, la charcuterie, les petits cochons qu'on a vus dans la montagne, les vaches et les veaux qui se promènent, c'est tout à fait quelque chose de magnifique. Déjà 10 heures, un peu plus loin, alors que le marché bat son plein, François l'apiculteur est en retard. Pas une minute à perdre. Vous pouvez tout goûter, allez-y, prenez des cuillères, vous goûtez, c'est gratuit, aujourd'hui c'est gratuit. Profitez, demain on va payer pour goûter, madame, bonjour. S'il arrive si tard, c'est que François était à l'aube sur les hauteurs de l'île Rousse. C'est l'un des moments les plus importants de l'année, la transhumance de ses abeilles. Comme pour les troupeaux, il déplace ses ruches à l'air frais des montagnes. J'enfume la colonie, la fumée calme les abeilles. Avec ses collègues, François emmène une trentaine de ruches en altitude où les abeilles vont pouvoir butiner les fleurs de saison. Avec le décalage de floraison, théoriquement, il va y avoir une floraison en montagne, là, sur les châtaigniers notamment. Si elles étaient restées là, eh bien, on ne récolterait plus rien. Direction la Castanitsa, à 1h30 de route de là. Une région sauvage et très boisée au nord-est de l'île. Dans quelques jours, les châtaigniers seront en fleurs et fourniront une nouvelle source de nectar aux abeilles. On rajoute une housse pour... on espère qu'elle la remplisse. Ce serait théoriquement la récolte future de châtaigniers. Selon l'emplacement de ses ruches, François récolte un miel aux textures et aux goûts différents. Un travail difficile mais bien récompensé. Ces miels sont plébiscités sur le marché. Ça, c'est des miels du désert des Arriades. Allez-y, hein, goûtez tout. Hein. Faut pas avoir peur de goûter. Continuez, madame. Il y a une diversité de miels très, très importante par rapport à certaines régions, avec des goûts très différents et très typés et très distincts les uns des autres. On peut satisfaire, en fait, tous les goûts. Produits locaux, artisans passionnés et convivialité font l'authenticité et le charme des marchés corses.
Salut Claire. Comment ça va? Super bien. T'es bien arrivé? Impeccable, je profite de corter au petit matin comme ça. Super. On va monter à la montagne, à la Restone, les gars, pour traire les chèvres et faire le fromage. Ah, tu vas me faire traire en plus? Ouais. Il n'est pas fait le fromage, hein? Ouais, je sais, mais t'inquiète, il n'y en a pas beaucoup et je vais t'aider. D'accord, ça marche. Ouais. Allez, on y va. Allez. Toi, tu es une fille du pays, alors tu es née ici? Ouais, je suis née ici, ouais. Corté, ces montagnes? Ouais. Tu te serais pas vu faire un autre métier que celui-ci? Bah si, j'y ai pensé, bien sûr. J'y ai pensé parce que justement, genre, en ayant vu mes parents galérer quand j'étais plus jeune, le soir, il fallait que je surveille les chèvres, qu'elles n'aillent pas dans la vigne du voisin. Ouais. Le matin, il fallait que j'aille aider à la traite. Donc j'ai vécu les contraintes vraiment en direct. Qu'est-ce que tu te destinais à faire au départ? Au départ, je voulais être genre prof d'anglais. Ah oui, d'accord. Et je me suis pas vue faire ça une vie, tu vois. Ok. Et du coup, ma vie, bah, c'est comme j'ai été élevée au milieu des animaux, ouais. Faire le fromage, m'occuper des brebis, des chèvres. Hey, oh, wow. Hey, oh. Donc là, on arrive à la ferme. Ah, c'est papa, ça. Ouais. Ça va? Oui, ça va. Vous êtes tout ravi. Eh oui. Enchanté, Jérôme. Mon père. Voilà. Votre prénom? Jean-Paul. Jean-Paul. Ouais. On dit Paul. Paul. Ouais, d'accord. Ouais. Donc tous les jours, tu viens récupérer les brebis. C'est ça. Et les brebis sont pas en estive alors? Pas encore. Ça c'est pour faire le fromage. La partie de lait frais qu'on va garder pour le brochu. Si je dis pas de bêtises, le brochu normalement. Il y a deux laits dedans. Alors, l'éleveur qui a des brebis, il fait que de brebis. L'éleveur qui a deux chèvres, d'accord, il fait okay. deux chèvres. Et nous, comme on a les deux, ben on fait chèvres et brebis mélangés. Et c'est plutôt plus pour un dessert. Voilà, brochu au miel, brochu au sucre. D'accord. Allez, viens, je vais te montrer un peu. Faire un tour du propriétaire. Voilà. Donc voilà, regarde, ici, tu as le départ pour les lacs du Mai, Louis Capitel. Tu vois, on a une petite étape pour les gens, s'acheter un petit sandwich, voir le fromage. Et on a un peu de clientèle par rapport à ça, les gens qui viennent ou avant ou après le lac. D'accord. Voir la traite ou la fabrication du fromage, la dégustation du brochu, bien sûr. D'accord. Oh ! Ah, voilà, mais le petit-fils. C'est l'héritier, c'est le futur berger ? C'est le futur berger parce qu'il adore les chèvres. Et comment il s'appelle ton petit-fils ? Léliou. Léliou ! Est-ce que tu as une chèvre à toi ? Oui. Comment elle s'appelle ? Petra. Alors, qu'est-ce que ça t'a fait, toi, Jean-Paul, de voir Claire vouloir reprendre l'exploitation familiale? Ah, reprendre, c'est que du bonheur. Elle a grandi dedans. Mmh. Elle connaît toutes les ficelles du métier, tu vois ce que je veux dire. Pour elle, il n'y aura pas de problème. Je suis sûr que ça va continuer à marcher, à réussir. Mmh. Et lui, on verra par la suite. Bon, on verra. Non, il fera ce qu'il veut. Ouais. Ouais. Ben là maintenant, on va aller traire les chèvres, parce qu'il nous faut le lait des chèvres pour aller faire le fromage. Eh oui, on va s'occuper des biquettes. Voilà. Bien le bonjour. Donc on va commencer par une des plus faciles à traire. Hein. Je vais te montrer, tu vois. Tu dois faire comme une petite poche, comme ça, que tu serres très fort dans tes deux doigts, comme ça. Et ensuite, tu vides. Allez, vas-y, à toi. À moi? Ouais. Allez. Alors... On est là, on fait un truc comme ça, et après on fait... Purée, il est doué. J'y crois pas. Faut viser le seau, voilà. Eh bien, bien, franchement, tu vois, hein. Je suis impressionné tu quand vois, même. Hein. Tu peux me prendre en extra. Hein. Ouais, mais carrément. C'est vrai qu'elle est drôlement sage. Hein. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce métier de bergère? Le contact avec les animaux. Ils nous aiment, on a vraiment un lien avec. Et après, tu fais ton fromage, tu vois, tu crées un produit. Et en plus, nous, on a le direct, les gens qui viennent goûter ton produit, voir ton travail. Ici, oui. Voilà, t'as donc, le quand retour on te immédiat. Dit ton fromage, il est bon, ouais. Tu es content, voilà. C'est ça. Ouais, puis il y a beaucoup de passages, hein. Je ne m'attendais pas à voir autant de monde. Bon, impeccable, dis donc. Et là, tu filtres le lait. Et voilà. Waouh. Donc ce lait-là chauffe, tu vas le faire cailler. Ouais.
Le petit lait, quand on aura fait le fromage, on va le garder pour faire le brooch. D'accord, et tu vas le mélanger à celui-là. Et celui-là, c'est une petite partie du lait qu'on ne caille pas pour rajouter pour la fabrication du brooch. Super. Oula, ah, c'est qu'il y a du public. Eh oui, moi je l'ai embauché et je crois que je vais le garder parce que ça sort pas si mal. On va saler le petit lait maintenant pour faire le brooch. Et là, tu laisses chauffer le petit lait combien de temps? Alors là, c'est pas une histoire de temps, hein, c'est une histoire de degrés. C'est quand même du petit lait, donc ça risque d'attacher au fond. Mm-hmm. Donc on va beaucoup tourner tout au long de la cuisson jusqu'à 60 degrés. On va surveiller et la magie se fera, t'inquiète pas. Autrefois, les vieux, eux, ils vendaient leur fromage et ils mangeaient, eux, le brooch. C'était la partie moins noble. Voilà. Mais maintenant, ça a changé. Maintenant, c'est le produit phare de l'île. Ouais, c'est le fromage le plus connu de Corse, ça, c'est sûr, maintenant. Ouais, ouais. Voilà, tu vois, ça épaissit, regarde. Il commence à se former, le brooch. Mm-hmm. Là, il faut prendre en tranche fine, comme ça. Tu coupes, tu poses. Mm. Tu coupes, tu poses. C'est ça qui va faire toute la texture du brooch. Ça peut se manger chaud également? Oui, bien sûr. On a des gens qui viennent spécialement à l'heure du brooch ou juste pour le manger tiède, c'est leur petit plaisir, tu vois. Bah moi, je sais pas vous, moi j'ai envie de l'applaudir, hein, parce que je trouve ça un vrai beau spectacle. Hein. Un produit artisanal comme ça, tout fait main, avec le cœur. Bon, on va s'en goûter un, non? Ah bah oui, oui. Tiens, vas-y. Avec le super miel. Magnifique. Tiens, goûte ça. Il y a raison. Alors, s'il vous plaît. C'est marrant, en plus c'est chaud. Hein. C'est bon, hein? Ah, c'est super bon. Donc, ça se marie super bien. Puis en chaud, moi j'avais jamais goûté. Je voulais te proposer quelque chose. Ouais. J'avais prévu d'aller faire un vol en hélico là, au-dessus des montagnes. C'est vrai? Ouais. Et je voulais te proposer de venir m'accompagner. C'est vrai? Ouais. Ça te, t'as pas peur en hélico? Non, ça pas te plairait du tout. Ouais. Non, mais volontiers. Eh ben on fait ça. Je te suis à fond. Écoute, on finit le brooch, on y va. Hein. On y va. On trace à l'aérodrome. Trop bien. Cool. Et merci bien. En tout cas. Merci à toi. Bonjour, François Alpha Mike d'école en piste 30. Ça va? Ça va. Tu avais déjà volé en hélico? Une fois, ici. Mais j'étais derrière. Ah oui? D'accord. Ah bah là, tu as la meilleure place là sur ouais, la droite. C'est clair. Voilà, donc on arrive dans la vallée de la Restonica, qui est la plus belle vallée de Corse. Je confirme. Voilà, Pierre est là. Ouais, j'ai deux personnes objectives autour de moi. Voilà, c'est ça. Même tous les gens qui arrivent ici nous disent « Ah, c'est magnifique, c'est le plus bel endroit du monde, vous avez trop de la chance. » Superbe, c'est vraiment magnifique. T'as vu ce côté-là, c'est moins pierreux, t'as vu, c'est moins abrupt que ma vallée. Ouais, hein. Ouais. Et donc là, on va rejoindre le lac de Nido. Celui-là, celui qui est là-bas au fond, sur le plateau. Waouh. On commence à faire sur des petites pozzis. Les pozzis, ce sont ces petites retenues d'eau là qu'on a le long de la rivière. Et celui-là, tu vois, on peut y aller à cheval. Ah oui? Ouais, je suis déjà allé plusieurs fois, c'est génial. D'en haut, c'est grandiose. Ici, voilà, vraiment, j'adore. Bon, je suis très heureux alors. Ah ouais. Merci, bien. Merci à toi. Merci. C'était trop bien. Merci, Hervé. C'est avec plaisir. Les Corses sont très attachés à leur île, à sa beauté sauvage comme à son patrimoine. Un sentiment fort chez les anciens, mais aussi pour la jeune génération bien décidée à faire vivre son terroir. En Haute-Corse, au milieu des chênes et des châtaigniers, Pierre-Antoine commence toutes ses journées par le même rituel. Tous les matins, on les fait manger ici, sur le béton, pour qu'on les appelle et qu'ils vont monter là, maintenant. Tio, tio, tio. Pierre-Antoine est petit-fils d'agriculteur.
Ses parents s'étaient éloignés du terroir. Lui a choisi il y a quelques années de renouer avec la terre en montant un élevage porcin. Au moment de se lancer dans l'aventure, Pierre-Antoine choisit le cochon emblématique de Corse, le porc nustral, un cochon noir que l'on ne trouve que sur l'île. Ils ont été toujours élevés ici depuis des siècles et c'est une race qu'on essaye de garder et d'élever tout le temps dans les mêmes méthodes qu'il y a eu auparavant. Ces animaux qui sont tout le temps en liberté, c'est une viande très grasse, qui est une viande de très bonne qualité pour charcuterie. Pierre-Antoine gère l'exploitation avec sa femme Stéphanie. Ils transforment leur viande eux-mêmes. Leur petite production se vend dans toute la région. Alors que l'exode rural frappe de nombreux villages de l'intérieur de l'île, le couple amoureux de la campagne s'est installé dans celui des grands-parents de Pierre-Antoine, Tox, qui compte moins d'une centaine d'habitants. Merci. Moi, j'étais partante pour le village parce que bon, c'est vrai qu'on a une qualité de vie incroyable, on vit de notre passion et surtout, on réussit maintenant à vivre financièrement sur notre exploitation tous les deux et bientôt tous les trois. À quelques kilomètres au nord de chez eux, la région viticole de Nebbio. Depuis peu, elle compte une nouvelle venue. À 23 ans, Marie-Charlotte a plaqué Paris et ses études d'architecture. Le domaine familial, 6 hectares de vignes, était à l'abandon depuis le départ en retraite de son grand-père. Elle a décidé de le reprendre en main. Je suis assez fan en fait du style de vie qu'on peut avoir en Corse. J'adore les vins qu'on fait ici, j'adore la gastronomie qu'on a ici. Donc je suis vraiment très contente de faire ce métier-là dans cette région-là. J'ai toujours grandi en entendant parler des vignes et puis en plus j'ai grandi vraiment dans la maison familiale où il y avait les anciennes caves avec les tonneaux, avec les anciennes presses, etc. etc. Et il y avait toujours, je me suis toujours dit, oui bon peut-être un jour pourquoi pas replanter les vignes parce que j'aimais bien l'idée de faire du vin, j'aimais bien cette idée-là. Je me suis levée un matin et j'ai dit allez c'est parti, j'ai envie de faire ça et sans regret. Pour réaliser ce pari un peu fou, elle peut tout de même compter sur le soutien de son père qui lui transmet son savoir-faire. Aujourd'hui, il vient goûter ses différents assemblages avant la mise en bouteille. Il est un peu plus acide celui-là, tu vois. Échantillon numéro 2. Ouais. La vie de mon père compte énormément dans mon travail parce que c'est quand même lui qui m'apprend vraiment ce métier-là, quoi. Le choix de l'architecture, à la base... Ça semblait être le meilleur choix d'un point de vue professionnel, du moins le plus simple. Mais je pense que la passion, au final, l'emporte. Et c'est là que les aventures sont belles. Marie-Charlotte voit grand. Elle souhaite agrandir la cave, exploiter les oliviers centenaires du jardin et créer une table d'hôte pour mettre en valeur ses vins. D'autres ressentent le besoin de rentrer en Corse après avoir vécu longtemps ailleurs. Nicolas a changé de vie après 17 ans sur le continent. J'étais dans l'analyse vidéo, dans le football. Voilà, je faisais tout ce qui est analyse statistique. Donc après, j'avais vraiment envie de rentrer en Corse. Donc on va dire que dans ce milieu-là, c'est compliqué de travailler ici. Donc il fallait que je change complètement de fusil d'épaule, on va dire. Revenu depuis peu, Nicolas s'est lancé dans le burger. 100% Corse, évidemment. Il n'utilise que des produits locaux qu'il va chercher lui-même chez les producteurs. Aujourd'hui, il rend visite aux vaches de Jacques. Elles sont tranquilles, il n'y a personne qui les embête. Hein. Ouais. À part un peu les mouches. Hein. Pas de stress, no stress. Et la liberté. Voilà. Ah oui, là, elles ont de quoi faire. Ce que je cherche avant tout, c'est un bon produit. Voilà, un bon produit. Un produit corse, un produit respectueux du savoir-faire, respectueux de notre terre. Le restaurateur a choisi d'être itinérant. Ce soir, il installe son food truck vintage sur une petite plage à côté de Bastia. Ses burgers attirent une clientèle d'habitués et de curieux attirés par les recettes originales qu'il a imaginées lui-même. J'ai sélectionné déjà les produits phares de l'île, on va dire, avec le fromage, fromage de brebis, fromage de chèvre, le brooch aussi, qui est un fromage frais.
et essayer avec justement ces ingrédients de base, on va dire, à créer quelque chose, un goût qui change un petit peu de ce qu'on peut trouver ailleurs, quoi, on va dire. C'est prêt. C'est une petite fierté que j'ai quand même au fond de moi d'avoir pu réaliser ce rêve de revenir chez moi et de faire justement quelque chose qui me plaît. Séduit par la qualité de vie que leur offre leur île et désireux de la mettre en valeur, ces jeunes Corses ne s'imaginent pas vivre ailleurs. Salut Jérôme. Salut Anne. Comment ça va? Très très bien. Content de te rencontrer. Tu es bien bronzé. On voit que tu habites un beau pays avec plein de soleil. C'est ça. En tout cas, c'est très mignon ici. Hein. Merci. C'est pas ici que vous habitez? Non, pas du tout. C'est notre petite maison pour accueillir nos importateurs, nos clients, les personnes qui viennent visiter le domaine. Une chambre d'amis, une chambre d'invités. Bah, je suis ravi d'être là. Merci en tout cas de m'inviter. Hein. Je te fais visiter? Avec plaisir. Ouais, ouais. Merci. Oh, oh. Voilà ta chambre. Je vais être bien là. Oui, tu vas être bien au frais aussi. Tu as des vignes d'un côté, de l'autre, de tous les côtés. Tu es entouré de vignes. Mmh. Et toi, ton activité, ce n'est pas la vigne? Non. Plutôt la biscuiterie, les gâteaux, tout ça? Tout à fait. Bon, je vais pouvoir te voir œuvrer. Ben oui, bien sûr. Et puis ouais. Même de mettre la main à la pâte, si tu veux bien. Si tu veux. Et déguster? Ouais, là, je suis bien meilleur. Hein. D'accord. C'est là-dessus que je me défends très très bien, ouais. C'est agréable d'être accompagné par les cigales. C'est ouf, le panorama est dingue là. Hein. Ah ouais. Tu as vu là, tu as les aiguilles de Popolasque, le petit village de Prato di Giovelline, et les vignes en terrasse, juste là. Et tout autour, il n'y a que la nature. On est pas mal là, non? C'est pas mal, le cadre de vie est sublime, ouais. Toi, tu es originaire de cette région? Non, du tout. Moi, je suis de Porto Vecchio. Je suis une fille du littoral et je suis montée en centre-Corse. D'accord. Pour quelle raison tu t'es retrouvée à venir t'installer ici? Par amour. Par amour? Par amour. Tu as suivi ton homme? Lui, c'était un peu compliqué de déplacer les vignes. Ah. Donc on a déplacé le labo de production. Oui. C'était plus simple. Oui, exactement. Ah, bah tiens, il est là. Le maître des lieux, des vignes. Bonjour. Ça va Manu? Ça va. Bon, tu étais en train de travailler là, qu'est-ce que tu faisais? On surveille. On est un peu dans une période où il faut être attentif. Et tu fais quel type de culture? Nous, on a deux domaines familialement, hein, domaine Vico et Cloventour. Et les deux sont en agriculture biologique. Ah oui, ici, d'accord. On est vraiment depuis un moment en agriculture biodynamique. Est-ce que c'est une philosophie qu'ont de plus en plus d'agriculteurs, de manière générale, ici en Corse? On est naturellement, viscéralement, très très attachés. À notre terre, notre territoire, il y a une relation particulière, ça c'est une évidence. Nous, on a vu aussi toute la pression immobilière tu vois, de ces dernières années. Mmh. Donc, quand on était enfant, il y avait beaucoup, beaucoup moins de construction. Et c'est vrai qu'on voit que la nature, quelque part, grignotée, perd du terrain. Ouais. Donc on a envie de la conserver. C'est très bien, ça va nous faire des bons biscuits, ça, je pense. Hein. Il n'y a que des bonnes choses hein, qui sont... après, au départ de tout, il y a des bons produits. Ouais. Bah oui. Voilà. Bon, s'il y a des bons produits, ça donne envie de les goûter, non? Je sais pas ce que t'en penses. Bah oui, il serait temps. Hein? Allons-y. On y va. Allez. À plus tard, je pense. Ouais, à tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Et tout en bas des parcelles, on a les poules, les brebis. C'est vrai? Oui. Et comme ça, si tu veux, j'utilise le vin du domaine pour les biscuits. Ah ouais? Les œufs des poules pour les madeleines, pour les macarons. Ah oui, d'accord. Quelques gallinacées par là. Oui, nos cocottes qui nous font de bons œufs pour les biscuits. Là, combien t'en as? Deux? Ah oui, ça peut. Alors, attends, deux, quatre. Là, t'en as d'autres, hein? Six. Je sais pas si je vais pouvoir le prendre. Tu veux que je m'y essaye? Excusez-nous, merci pour cette donation. Alors, tu vois, c'est là qu'on a la boutique.
et le labo de production juste à l'étage. Ah, c'est super bien. Oula, beaucoup de choses dans cette boutique, c'est magnifique. Merci. Ouais. Là, ce sont tes produits à toi. C'est ça. Que tu fais ? Biscuits. Ce sont les produits de notre production, les canistrés, les croquants. Uh-huh. Là, tu vas avoir tous les macarons, les choux. Ah ouais. Et de l'autre côté, tu as les glaces. Waouh. Ah bah dis donc, je sais pas si c'est une bonne idée de m'avoir emmené ici. Non mais calme-toi. Je vois que j'ai envie de goûter beaucoup de choses. Ouais. On va chercher du vin pour faire la recette. C'est vrai, t'as raison. Revenons aux fondamentaux. Après, on pourra déguster. Voilà, Jérôme, là, tu rentres dans l'antre de la biscuiterie. Le labo. Le labo. Ouh là là! D'ailleurs, une belle couverture médiatique avec les journaux, là, dis donc. Impressionnant, hein? Bravo! Bonjour! Bonjour! Mais tiens, voilà, les canistrilles qui sortent du four. Ah! C'est ce qu'on va faire maintenant. C'est vrai, c'est la spécialité? On a pris le vin. Ça? Et ça, je vous laisse les œufs pour les madeleines et les croquants. Et les croquants. Ouais, ils sont encore tièdes, hein? Oui. Alors, explique-moi un petit peu ce que c'est que cette spécialité-là. Alors là, ce sont des canistrilles à la noisette de Cervione avec du vin blanc et de l'huile d'olive. Je peux en goûter un? Non, ça sort du four, ils sont trop chauds. Ah, ils sont encore chauds. Je vais les laisser refroidir un peu. Ok, d'accord. Ça, c'est pour moi. Tiens, ça, c'est ton tablier. Je vais mettre mon tablier aussi. Je mets ta tenue de combat. Tu veux un petit peu de farine? Je suis à peu près de 9 kilos, c'est ça? Écoute, là, en épaisseur, je pense que tu es parfait. On va passer à la découpe. C'est tout terrain, c'est VTT, ça. Minimum. Et donc, maintenant, on va les mettre sur la plaque et les cuire. Et donc, comment tu as fait, toi, pour élaborer toutes ces recettes? Tu as trouvé ça dans les recettes de grand-mère? Le premier biscuit avec lequel j'ai commencé, c'était une recette de ma tante. Et là, les canistrilles, par contre, j'ai pris une recette de Balagne, qui est la recette des Coujols, et une recette de canistrelli d'une cousine à Porto Vecchio. Et j'ai mélangé un peu les deux. D'accord. Mais ici, si tu veux, les recettes de grand-mère, c'est l'essence même de la cuisine corse. Et c'est vraiment très important parce que ça fait partie de notre patrimoine et de notre culture. Et d'ailleurs, j'ai un ami qui en est devenu le spécialiste, on va dire. D'accord. Nicolas Strombone, c'est un passionné, un épicurien, qui a côtoyé beaucoup de cuisiniers, de cuisinières, de chefs. Et il en a fait un livre, absolument extraordinaire, qui s'appelle « Du pain, du vin, des oursins », et qui va venir ce soir avec nous pour nous cuisiner quelque chose. D'accord. Je vais mettre ça au four. Quand le chat n'est pas là, elle sourit. Je sais pas de quoi tu parles. Tu n'as pas réussi à attendre. Bah non, j'avais envie de les goûter. Fais-toi plaisir, mais après je te propose quelque chose, on va éliminer. Du style? Du style, tu n'as pas peur du vide? Non. Tu sais grimper? Oui, on va dire oui. Est-ce qu'une petite via ferrata avec tyrolienne dans la vallée d'Ascaux, ça te plairait? Très bien. Ouais. Bah, du coup, il va falloir prendre des forces. Allez, coup, bah alors voilà, fais-toi plaisir. Je vais prendre des forces. Je vais quand même en prendre un peu plus, du coup. C'est très, très bon. Merci. Très, très bon, vraiment. Au sud-est de l'île de Beauté, il existe des joyaux naturels peu connus et particulièrement bien préservés. Un chapelet d'étang en bord de mer. L'étang de Diane s'éveille à peine lorsque la barge des éleveurs de coquillages vient troubler sa quiétude. Toutes les bouées que vous voyez, ce sont des moules, ce sont des cordes de moules accrochées. Là, de partout, tout le plan d'eau, là. Ce sont que des moules, que des moules, que des moules, que des moules. Cet étang est le seul endroit où l'on produit des huîtres et des moules en Corse. Ça pèse, hein ? Jean-Michel travaille chez l'un des trois seuls producteurs de coquillages autorisés ici. Ce matin, lui et son collègue sortent les filières après plusieurs mois d'immersion dans l'eau. Entre 40 et 60 kilos de moules sont accrochés sur chaque corde. Les deux hommes remontent environ 2 tonnes de mollusques. La demande explose avec l'été et l'arrivée des touristes. Toute la production de l'étang de Diane est consommée exclusivement sur l'île. On n'exporte pas. Si on produit trop, on en demande trop à l'étang après. Voilà. Là, il est bien comme il est maintenant. On fait des belles productions, que ce soit nous les voisins, on fait des belles productions, mais c'est vraiment suffisant. L'étang de Diane est aussi réputé pour ses huîtres.
Ça, c'est l'austral de Diane. C'est le plat ici en Corse, hein, à Noël, hein, les huîtres de Diane. Elles ont un goût un peu spécial. Et nous, on les trouve un peu douces. Sucré-salé, si vous préférez. Les produits sont pêchés, triés, conditionnés et livrés en quelques heures pour garantir la fraîcheur. Bernard dirige la plus ancienne ferme de coquillages de l'étang de Diane. Ici, les huîtres et les moules grandissent plus vite qu'ailleurs en France. Oui, elles sont très belles, très très belles, très beaux produits. On est dans un étang qui est composé d'eau salée, mais qui reçoit énormément d'eau douce par capillarité, par les petits fleuves qui arrivent dans l'étang. Et le mélange des deux est très propice à la croissance du plancton, qui est l'aliment principal pour nourrir les coquillages. En Atlantique, par exemple, il faut à peu près 2 ans et demi, 3 ans pour faire une huître. Nous, on l'a fait en moins d'un an. À son extrémité nord, l'étang de Diane est en contact avec la mer. Pendant l'Antiquité, il a servi de port aux Romains. Ces derniers étaient déjà très friands des huîtres de l'étang. En témoigne l'îlot des pêcheurs, constitué de coquilles d'huîtres amassées là il y a plusieurs siècles. Et les Romains faisaient déjà l'extraction de chair des coquillages il y a plus de 2000 ans. Alors, ils extrayaient la chair des coquillages, des huîtres, ils les mettaient dans des jarres, ils ajoutaient de l'eau de mer et du sel. Il ne faut pas oublier que tout autour des étangs, vous aviez des marais salants, donc la collecte du sel était importante. On a l'impression un petit peu de continuer une tradition. Et ce qui est le plus motivant, c'est quand même de dire que c'est un étang qui est en excellent état sanitaire. D'abord, esthétiquement, il est magique, mais en termes de qualité environnementale, c'est peut-être une référence. L'étang de Diane est surveillé de très près. Coralie travaille pour IFREMER, un institut de recherche océanographique. Deux fois par mois, elle effectue ici des prélèvements d'eau et des mesures à l'aide d'une sonde. Ça va nous permettre de mesurer donc la température, la salinité et l'oxygène dissous présent dans l'eau. Ces données sont ensuite étudiées en laboratoire. L'étang de Diane est bien préservé parce qu'il n'y a pas d'impact humain au-delà des seuils, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas trop d'agriculture. On fait des suivis donc, de divers indicateurs et on peut observer donc, que ces indicateurs sont en dessous des seuils. À quelques kilomètres au sud de l'étang de Diane, l'étang d'Urbino est tout aussi bien préservé. Ce petit paradis lacustre a longtemps été la propriété privée d'une grande famille. En 2007, les Bronzini l'ont vendu au Conservatoire du Littoral. Mais Luc, l'un des anciens propriétaires, y a gardé sa maison. Un privilège qu'il savoure chaque jour. Ça, c'est les voiliers des enfants. Ils y passaient leur vie dessus. Ils étaient tout le temps dans l'eau à jouer. C'est un lieu qui reste un lieu magique. Un lieu auquel je suis très attaché. Et puis, un lieu qui est encore un espace de liberté important. Luc partage son amour de l'étang avec son fils Vincent. Ce dernier a repris le petit restaurant familial, le seul situé sur l'étang d'Urbino. Ce restaurant fait partie entièrement de ma vie, puisque je suis là de 8h du matin jusqu'au dernier client parti. Ici, les touristes peuvent manger les pieds dans l'eau. On y sert les huîtres de l'étang voisin. Bonsoir. Alors, les huîtres, c'est pour qui ? Oster. Vincent continue l'histoire entre sa famille et l'étang d'Urbino. Je le regarde tout le jour, cet étang. Parce qu'il est fabuleux et que tous les jours ne se ressemblent pas. Et ça donne envie de le contempler. Amoureux de longue date ou visiteurs de passage, tous profitent ici d'une nature intacte. C'est magnifique ici avec la rivière dessous. Hein. Tu regardes la montagne, ces roches. Ça s'appelle comment le site où on est là ? Là, c'est la vallée d'Ascaud. D'accord. Salut Jean-Christ. Bonjour Anne, ça va ? Ça va ? Ouais. Bien. Jérôme ? Jérôme. Ça va Jérôme ? Christophe. Jean-Christ, tu l'as appelé ? Ouais. Ah, on va t'appeler Jean-Christ alors. Parfait. C'est pas mal. Ça va bien ? Ouais. Bon, ça a l'air chouette ce site-là. Ben, c'est pas mal. Ouais. C'est nous qui avons créé le site. Et vous avez quel type d'activité ? Alors ici, on peut faire aussi alors, de l'Asia ferrata, des grandes tyroliennes à plus de 200 mètres du sol. Mais on fait aussi du canyon dans Lascaux. On fait du rafting, du kayak de rivière. Et puis même l'hiver, on arrive à faire du ski et de la randonnée raquette. C'est top. Tu skis, toi ? Ouais. Ici ?
Génial. Quand tu peux skier et avoir la vue sur la mer en même temps, c'est extraordinaire. Non, sérieusement. Hein, on va s'équiper. Allez. Allez, on commence par le casque. Hop. Ça te change de ton bandeau de corsaire. Hein. Tu as vu. Parfait. Bon, Anne, c'est bon, on est paré. Bonjour. Bonjour. Ça va, il y a à peu près 7 km de tyrolienne. C'est génial. Allez, on est parti. Dingue. Donc là, l'objectif, c'est de monter où ? Jusqu'où ? Donc, l'idée, c'est d'aller tout là-haut, là. Et on va récupérer la grande tyrolienne. Celle qui est la plus... Ouais, la plus haute, là. 300 Ouh. Mètres de long. Waouh. Ça va ? C'est quand même la plus grande de Corse et c'est une des plus grandes qu'il y ait en Europe, là. Et hop, hop, tiens, super, regarde, elle s'en va, là. Bon, là, par contre, on se concentre, hein. Allez, à toi, Anne. Hé, Jérôme, on t'attend, là. Allez, viens, allez. Ah ouais, c'est pas mal, hein. Ça bouge un peu, mais c'est pas mal. Hop là. Non, Jérôme, reste avec nous, s'il te plaît. J'essaye, mais c'est pas évident. On continue ? Ouais, continue, je viens derrière vous. Et là, regarde, on fait un petit pas de géant. Allez, Jérôme, grand écart. Ouais, je vais essayer. Hein. Ouais. Ah ouais. Avant de passer ouais, par là. Sinon... Là, tu as un petit truc pour poser ton pied. On arrive au sommet, là. On est pratiquement au sommet, là. Une main ici, une main sur la truc, là. Allez, amuse-toi bien. Ça va bien se passer. Ouais, allez. On va super pour, merci. Allez, let's go. J'ai adoré, il y a des bonnes sensations. Ouais, c'était vraiment top. Et t'avais déjà fait tout le parcours ? Non, j'étais jamais montée aussi haut. Et là, franchement, ça me donne envie presque de venir chercher la pivarée là ici pour faire des macarons après, tu vois. C'est quoi ? C'est les petites herbes ? Oui, une petite herbe, qui est un poivre sauvage corse. Ça pique. Elle ne s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Non, ce qui est formidable, au-delà du cadre, hein, c'est d'avoir une telle variété quand même de sports de nature, d'extérieur comme ça ici. Mais hein. Je pense que c'est quand même une des régions où c'est un des paradis de la pleine nature. Hein. On peut tout faire. En plus, c'est pas surfréquenté, on protège un maximum l'environnement. Bon, bah alors, on redescend, j'allais dire, par l'escalier de la Via Ferrata, la Tyrolienne. Allez, on y va. Allez, on y va. Go. Let's go. Bravo. C'est furieux. Messieurs, dames, bonsoir. Jérôme ? Jérôme, Nicolas. Nicolas, d'accord, on m'a parlé de toi. Bon, ça fait du bien après l'effort, ouais. Cette petite douche là. Ouais. Ouais, parce que. T'as pas trop de courbatures ? Ouais, je pense que demain matin ça va tirer un petit peu. Alors, qu'est-ce que tu prépares de bon ? Ce soir, on va manger du porc de notre ami Félix Thor. Ça, c'est du porc noir, c'est du porc noustral, c'est des petits porcs de 80 kilos. D'accord. C'est une race corse. D'accord. Et tu auras assez rarement l'occasion de manger un filet de cette nature-là. Je ne sais pas s'il sera bon, mais en tout cas, il sera singulier. D'accord. Alors, tu vois, nous, on cuisine beaucoup, beaucoup au vinaigre. L'action du sel et du vinaigre, ça caramélise un petit peu le porc. Donc, on va légèrement le caraméliser. Ça ne va pas faire un aigre doux, mais pas très, très loin.
L'idée, c'est de saisir. Donc, on va essayer de garder le jus à l'intérieur et à l'extérieur, ça sera un peu croquant. Ah, merci beaucoup, Manu. Donc ça, c'est du vin de chez toi. Vermentino de Corse, sur une parcelle, la parcelle de la maison où nous sommes. Ah, autour de nous, là, c'est ça ? Qui s'appelle Amina. Wow. Et donc, ça veut dire que tu as glané ces recettes au fur et à mesure de tes rencontres avec les restaurateurs, les cuisinières. Avec des cuisinières, beaucoup de cuisinières, beaucoup de familles. Tu sais que la Corse, c'est une région qui est extrêmement complexe. Toutes les vallées ne se parlent pas. Et chaque vallée a des recettes secrètes. Ah. Dans ce bouquin, il y a plein de recettes secrètes. Que les Corses du Sud ne connaissent pas les recettes des Corses du Nord. Là, l'Ouest, on ne connaît pas les recettes de l'Est. Et c'est assez rigolo. Regarde, on va laisser faire l'artiste. Ouais. Hein, on en profite. Bon, moi, je vais goûter ton vin Mina, là. C'est une bonne idée. Mais le corps devrait bien aller avec le filet mignon que nous a concocté notre ami. Merci, je goûte alors. Merci. C'est tendre. Ces petites herbes, là, c'est très bien. On sent plus l'acidité du vinaigre. On s'effondre dans ses parfums. Mais il y a un petit peu de texture sur l'extérieur de la viande, c'est bon. C'est très bon. Merci Nicolas, en tout cas, de nous avoir cuisiné tout ça. Je trinque à cette très belle journée. Merci Anne. Merci à toi. Merci Nicolas. Plaisir. Merci Manu. Votre générosité et de votre talent pour éveiller les papilles sous toutes les formes. C'est gentil. La Corse accueille chaque année 3 millions de visiteurs aimantés par son soleil et ses plages paradisiaques. Mais l'intérieur de l'île attire de plus en plus de monde, offrant bien d'autres facettes. Pour les amateurs de sport et de nature, l'arrière-pays corse est un terrain de jeu idéal. À commencer par le fameux GR20. Robert est guide de montagne depuis 25 ans. Avec lui, ses marcheurs vont parcourir la moitié sud du célèbre sentier de randonnée. On n'entend plus personne. Dès que ça monte, c'est ça qui est sympa avec les montées. Balisé en 1970, le GR20 attire chaque année 30 000 marcheurs. Il a la réputation d'être le trek le plus difficile d'Europe. Quand on dit à quelqu'un « je vais faire le GR20 », il me regarde, il dit « vous êtes fous ». Ah non, mais nous on est motivés, on fait ça entre amis, on aime bien marcher, on aime bien la nature, donc je pense que c'est l'endroit rêvé pour réaliser ce rêve. Du nord au sud de l'île, 180 km de panorama somptueux, entre forêts, anciens chemins de transhumance et montagnes escarpées. Et on va attaquer un paysage plus de montagne. On change d'étage un peu, on a d'autres végétations, d'autres types de végétation, il n'y aura plus d'arbres. La Corse, côté sommet, une option prisée par tous ceux qui veulent mêler défis sportifs et découverte des richesses intérieures de l'île. Ce qui est beau, c'est que c'est vert, c'est une végétation luxuriante. C'est magnifique. Versant ouest, versant est. Hein, les gens qui viennent passer des vacances en Corse ou ailleurs, dans l'intérieur, dans les villages, etc., ce sont des gens qui recherchent la tranquillité, le calme et les rencontres, qui veulent comprendre ce qui se passe, comment ça fonctionne. De manière générale, c'est ça, ce sont des gens qui sont en recherche de contact. Alors que le tourisme de plage, en général, tu recherches le contact de l'eau, hein, à peu près, et du pastaga. Ce tourisme de l'intérieur crée de nouvelles opportunités pour les habitants de l'île de Beauté. Nathalie accueille les vacanciers chez elle depuis 9 ans. Alors vous êtes le groupe, je suppose, de vélo, c'est ça ? Hein ? Cyclo. Bonjour. Enchantée, bonjour. Nathalie, bonjour. Pourtant, elle n'est pas une professionnelle du tourisme. Sa maison n'est pas une vieille bâtisse corse. L'authenticité ici vient plutôt du jardin. Vous avez une petite terrasse, donc avec vue en plus, il y a les porcins. Avec vue sur les juste animaux, à côté, voilà, vue sur les animaux, puisqu'on est agriculteur à la base. Avec son mari, ils ont transformé leur exploitation agricole pour y offrir tout le confort possible au milieu des champs. Alors, vous avez la piscine juste là. Donc, on a un élevage de porcins, bovins et caprins. On a voulu se diversifier justement et amener nos produits jusque dans l'assiette, voilà. Un bon complément. Exactement, c'est un bon complément. En guise d'apéro de bienvenue, Nathalie propose à ses visiteurs ses produits maison. Alors là, vous avez un jambon, c'est une charcuterie qui est,
qui est très grasse, parce que ben, vous le voyez, les ports sont élevés comme ça en extérieur. Les gens veulent revenir de plus en plus à l'identité. Et c'est vrai qu'ils veulent voir directement ce qu'ils achètent. Et le fait de venir chez nous, ils dorment, ils voient des animaux, ils dégustent sur place. Ils ont affaire directement aux producteurs. Le petit groupe va passer deux nuits ici et rayonner sur les sentiers de randonnée proches de la ferme. Ce type d'hébergement est parfaitement adapté à la rencontre avec l'habitant, ce qu'ils font et les explications sur leur vie, sur leur mode de fonctionnement et sur leur pays. Un tourisme rural qui offre la possibilité de voyager différemment. Combien il en faut encore ? 7, je crois. Originaire de Besançon, Marine et Florian travaillent tous les matins chez Robert en échange du gîte. C'est ce qu'on appelle le woofing, une formule vacances-travail qui permet au plus petit budget de profiter aussi de l'île de beauté. Et ces patates douces, c'est un peu sucré, hein ? Ah oui, oui, oui. Ah, ici, ils apprennent à travailler la terre et découvrent toutes sortes de fruits, comme les kumquats, ces petits agrumes exotiques qui poussent aussi en Corse. Là, on essaie de prendre les plus mûrs qui sont en hauteur. Et on va venir tous les 2-3 jours en ramasser de temps en temps. Moi, je connaissais pas du tout le woofing. Alors, du coup, c'est un peu une découverte, une expérience. La Corse, c'est une région où on voulait vraiment y retourner par rapport à notre enfance et retrouver voilà, ce climat, la chaleur, le maquis, les odeurs de Corse aussi, parce qu'on a les bonnes odeurs du maquis et tout ça. On se sent vraiment bien ici. Marine et Florian profitent de leur temps libre pour explorer la région. Non loin du verger de Robert, le couple a eu un coup de cœur pour Sant'Antonino, un village médiéval probablement le plus vieux de Corse. On a visité pour la première fois il y a quelques jours, mais on a flashé direct avec le panorama qu'il y a. Et puis le style du village qui est vraiment ancien, puis vraiment chouette avec des grosses pierres. Perché à 500 mètres d'altitude, le village offre une vue imprenable sur toute la région, la Balagne. Marine et Florian se sont attachés à la Corse, au point d'envisager d'y rester encore plus longtemps que prévu. Ah, la Corse est vraiment magnifique, ne serait-ce que ses montagnes. Et à chaque virage, c'est quand même un paysage différent. Hein. Le maquis, la mer, les lacs. On ne l'oubliera pas, elle va nous manquer quand même si on repart sur le continent, je pense. Comme Marine et Florian, de plus en plus de visiteurs se tournent vers l'intérieur de l'île pour y trouver l'âme profonde de la Corse. Salut Jérôme. Ça va Antoine et toi? Ouais, super. La route, ça va, ça s'est bien passé, c'est pas trop long. Et qu'est-ce que c'est beau. Ah, elle est magnifique cette route. Ça tourne un peu. Ma compagne Stéphanie. Salut Stéphanie. Ça va? Voilà. Très mignon cette petite boutique où tu vends tes produits, notamment les charcuteries. Voilà, c'est ça. Donc moi je suis éleveur producteur, donc je fais la charcuterie. Et ça fait combien de temps que tu fais ça alors? Alors le magasin, nous, ça fait 2 ans qu'on a ouvert et sinon ça fait à peu près 8 ans. J'ai appris ça avec ma famille depuis petit. Et comme je n'aimais pas trop aller à l'école, du coup, je partais aux animaux avec mon oncle, mon grand-père, ils m'ont tout appris. Mais tu as un grand-père pêcheur aussi? Oui, c'est ça, il va nous emmener à la pêche, on va tirer les filets du côté de Scandola, réserve. Ah, et... chouette, ah, c'est magnifique. Bon, c'est chouette, très heureux de faire ça. Bon, moi, tu sais que je vais partir faire un peu de plongée. J'ai besoin d'avoir un petit peu, je ne sais pas, de quoi faire un petit pique-nique. Oui, bien sûr. Un petit assortiment. Oui, je te fais un petit assortiment, un peu de saucisson, quoi. Voilà, copain. Tous les bons produits que vous avez ici. Ça marche, je te prépare ça. Ah ouais, c'est gentil, merci.
Tiens, Jérôme, je voulais te montrer la cave. Là, elle est juste là. On y va. C'est où tu mets la charcuterie? C'est ça, où ça affine. On entrepose là et après, c'est là où ça affine. Oh là, t'as du stock, dis donc, Antoine. Ouais, ben il en reste un peu. Hein. Là, on est déjà mi-saison, mais comme tu vois... Tu as bien vendu? Ouais, ouais, un peu, ça va, ça va. Alors là, tu fais quoi? Du saucisson, du lonzo? Alors, il y a du saucisson, du lonzo, de la coppa, du jambon, du prisout. D'accord. De la houlette, c'est la joue. D'accord. Et de la pancette, c'est là les côtes, je dirais, en dessous des côtes. Alors l'affinage, c'est combien de temps, par exemple, les saucissons? Alors les saucissons, c'est à peu près 2 mois. Mm-hmm. Voilà. Après, les coppes et les lonzo, c'est un peu plus, 2 mois et demi, 3 mois. Et après, on passe sur les jambons, que là, c'est une durée voilà, un peu plus minimum, c'est 1 an et demi d'affinage. OK. Tout le secret du savoir-faire des salaisons corses se renferme ici. Voilà, c'est ça. Ouais. Et puis, la cave aussi, il fait beaucoup. Hein. Mmh. C'est nos anciennes caves. Du coup, elle apporte sa petite touche. Salut Tomek. Ça va Jérôme? Super bien. Ça y est, je vous amène un panier. J'en ai le casse-croûte, c'est peut-être la bonne charcuterie corse. Impeccable. D'Antoine, que tu connais sans doute. Oui, hein, exact. Hop. Bienvenue à bord. Merci. Et alors, tu m'emmènes sur quel spot de plongée? Ficajola. Donc sur la rive sud du golfe de Porto. Tu vas avoir un petit relief vraiment ludique, avec du tombant, d'une verticalité incroyable. Tombant, c'est quand, quand la roche tombe abrupte, et des petits tunnels qui vont nous permettre de découvrir le corail rouge du golfe de Porto. Nous voilà sur site. Voilà le paysage. On est au pied d'un des plus hauts caps d'Europe, donc volcanique, 618 mètres d'altitude. Et bah, rien à dire de plus. C'est spectaculaire et très très beau. Hein. Donc je te propose de commencer à s'équiper. On va s'équiper. Bah, à t'entendre, Tomek, j'entends pas vraiment l'accent corse. Tu viens d'où, toi? Raconte-moi. Alors effectivement, merci. Je suis pas corse, je suis originaire de Bourgogne. Ouais. J'ai découvert la Corse en 2001. Et ensuite, j'ai passé les niveaux au fur et à mesure jusqu'à être là maintenant et avoir mon club de plongée avec mes associés et profiter de la Corse. Allez, 1, 2, 3. Bravo! Ouais, on a eu du tombant. C'est spectaculaire. Hein. On a eu du verrou. Les verrous, ils n'ont pas l'air perturbés. Hein. Et on s'approche, c'est le soir, tranquille. On était bien, hein? Très belle plongée. Un grand merci, Tomek. Écoute, pas de question. Ça creuse la mer, hein? Ça, c'est la bonne charcuterie que m'a préparé Antoine. Regarde-moi ça. Rien de tel après une bonne plongée. Vas-y, sers-toi. Allez. Il y a du lonzo, il y a de la pancetta. C'est bon. Oh là là. C'est ce qu'on appelle passer une très belle journée. Sur les hauteurs de Porto Vecchio, le maquis s'étend à perte de vue. Cette végétation dense et sauvage, symbole de la Corse, recouvre près de la moitié de la surface de l'île. Un univers qui peut sembler impénétrable aux novices.
Stéphane, lui, l'arpente depuis 40 ans et en connaît tous les secrets. Il y emmène régulièrement les touristes. Vous avez devant vous la définition même du mot maquis. Parce que maquis, c'est la traduction française du mot corse et en même temps latin, amatia. Et dans maatia, vous avez macula, la tache. C'est la végétation qui, lorsqu'on la regarde, présente des taches de couleurs qui s'interpénètrent les unes dans les autres. Vous êtes exactement comme devant un tableau d'impressionniste. Avec cet horticulteur et accompagnateur en montagne, le groupe découvre le patrimoine végétal de l'île. Sentez-la. Frottez un peu le bouton. Oui, ça vous parle, ce parfum-là. C'est la lavande. C'est la lavande. Oui, c'est une lavande, bien sûr. Des centaines de plantes différentes poussent dans le maquis. Adaptées au climat corse, elles résistent à la sécheresse. Parmi elles, l'immortelle est la plus recherchée. Cette plante, elle pousse en Italie, mais lorsqu'elle pousse en Corse, donc cette sous-espèce, elle fabrique des molécules qu'elle ne fabrique pas ailleurs. Donc elle a une spécificité chimique. Et voilà pourquoi tout le monde veut l'huile essentielle d'immortelle d'Italie de Corse, parce qu'en fait, elle a des choses uniques. Ses parfums et ses couleurs si remarquables du maquis contribuent à l'identité de l'île. Et là, je vais vous faire connaître une autre plante endémique. Elle fait décoller ceux qui la sniffent. Ah ouais, ça sent fou. Ah ouais, ça picote, hein. Oh là là. C'est la première fois que je viens en Corse, c'est donc la découverte du maquis, c'est vraiment dépaysant par rapport à ce qu'on a, on connaît nous en Belgique. C'est une réelle immersion dans la Corse qu'on voit habituellement en photo, mais qu'on a l'occasion ici de toucher au plus près. Le maquis corse est l'un des derniers espaces sauvages d'Europe. Ici, l'homme n'a jamais réussi à dominer la nature. Ce maquis, il est présent depuis 8 à 10 000 ans. Et on essaye de le garder pour les générations futures. Moi, je suis persuadé que ça, c'est un atout majeur. Ça fera toujours de la Corse un endroit où on aura envie de venir pour se ressourcer. Parce que plus près de la nature qu'ici, vous ne pouvez pas. Stéphane est l'un des rares à avoir apprivoisé cette nature millénaire. Chez lui, depuis 25 ans, il cultive les plantes sauvages de son île. Ça, c'est le thym de la montagne corse. Pourquoi ça? C'est parce qu'en fait, il pousse à l'état sauvage uniquement en montagne. On le trouve difficilement en dessous de 900 mètres d'altitude. Bon, là, il est dans mon jardin, parce que je le cultive. Il est citronné. Et ça n'a rien à voir avec le thym citron qu'on trouve dans les jardineries. Hein. C'est bien la souche issue du sauvage que j'ai soit bouturée, c'est-à-dire j'ai prélevé une petite branche pour la faire raciner, soit j'ai pris les graines et je les ai semées. Stéphane vend ses herbes fraîches ou séchées. Il compte parmi ses clients plusieurs chefs renommés de la région, comme Vincent qui vient s'approvisionner ici plusieurs fois par mois. Quelques fleurs. Tiens, mets ça en bouche un peu. Ah, y a de la puissance et c'est pas l'estragon qu'on connaît, hein. C'est vraiment... Disons que c'est l'estragon, c'est le vrai. C'est le vrai. Ça, c'est bien, ça ira bien avec le tourteau, là. Ouais. On va aller prendre un peu de romarin. Le thym, le romarin ou la népita, surnommée la menthe corse, sont très prisés en cuisine. Pour Vincent, le jardin de Stéphane est une source d'inspiration. J'aime bien venir chez Stéphane pour échanger, pour parler des plantes avec un passionné. Ça permet, nous, en tant que chef, de savoir un peu l'origine des plantes. Et la magie de ces plantes, c'est qu'il y a des saveurs tellement puissantes. Voilà, il faut savoir les doser et avec Stéphane, on échange là-dessus. Allez, on rentre à la maison. Vincent exerce ses talents dans un restaurant gastronomique de Porto Vecchio où il met à l'honneur les produits corses. Avec les herbes rapportées de chez Stéphane, il prépare l'un de ses plats les plus demandés, un filet de veau au bon goût du maquis, avec de l'herba barona, du romarin et de la sauge. Originaire de Provence, le chef a découvert les herbes corses lors de son arrivée sur l'île il y a 4 ans. Mais avant de les cuisiner, il a d'abord fallu les dompter. Elles ont un terme qui leur correspond, c'est elles sont corsées. Ben, la menthe, elle est plus forte que la menthe. La sauge qui pousse ici, qui n'est pas la sauge qu'on va retrouver sur le continent, voilà, c'est des herbes typiques et difficiles à travailler parce que
Voilà, si on sature trop, après ça déséquilibre les plats, les poissons, les viandes. Je prépare une autre nipita. Surpris, puis séduit par ces plantes aromatiques, Vincent cherche toujours pour elle le meilleur mariage. Pour accompagner le veau, il a imaginé une vinaigrette au miel, aux herbes fraîches et fleurs d'immortel. Bah, on fait des essais, des fois on a des échecs, mais des fois ça marche. Voilà, il y a toujours une recherche et c'est ça qui nous fait plaisir, c'est de... Ben on s'éclate avec ces herbes et ça se ressent dans l'assiette. Comme Vincent, de plus en plus de chefs plébiscitent les herbes du maquis. Ce sont elles qui donnent à la cuisine corse son goût si authentique. Ça va, Jérôme? Oui, super bien. C'est pas mon horaire habituel, hein, 6h du mat, mais je suis content d'aller en mer. Ça va et toi? Ouais, bonjour messieurs, dames. Voilà. Eh bien, merci de m'accueillir sur votre beau pointu. Pointu. Je suis Jérôme, enchanté. Enchanté aussi. Enchanté, Jérôme. Voilà. Je crois que c'est Antoine aussi. Hein? C'est ça, Antoine. C'est mon petit-fils. J'ai ouï dire qu'à 87 ans, vous étiez sans doute le plus vieux pêcheur de France. Oui. Je pense. Hein. Et je pêche toujours. Et je pêche avec Madame Merlot. On travaille ensemble. Partager le même bateau. Voilà. On s'entend bien. Ouais, ouais, ça va? Ah oui. Bon. Qu'est-ce qu'on va pêcher ce matin? Eh bien, on va tirer les filets à langouste. Hein. On va voir. Ah, langouste, ouais. Voilà. Allez. C'est parti. C'est un pointu, ça s'appelle un pointu, oui, ces bateaux-là. Oui, c'est le pointu, c'est la barque marseillaise. Marseillaise, c'est ça. Voilà. Ok. Il a la santé de ton grand-père, hein, parce que faut le remonter le filet là. Ben, c'est fantastique de faire ça toute sa vie. Il a toujours travaillé, toujours tiré des filets. C'est magnifique. Ça fait combien de temps que vous collaborez tous les deux? Oh, 7 ans, 6 ou 7 ans. Une bonne pêche, c'est combien de langoustes au moins? Oh, 5-6 kilos, enfin normalement. Hein. Vous êtes fier de lui? Ah oui, oui, oui. Et je suis fier de lui. C'est un travailleur, premièrement, un gars sérieux. Deuxièmement, c'est un chanteur. Un chanteur? Un chanteur. Comment ça, monsieur Antoine? Ah ouais, c'est un chanteur, puis une belle voix. Hein. Ah ouais? Ah bah, si j'ai chanté comme lui, le bateau devait être chargé de femmes. Je repars pas de Porto sans que tu m'aies chanté une chanson à un moment donné. Hein. On la chantera, la chanson. Tu me promets, hein? Oui, 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 ça se tient. Bon, très bien. À quel âge vous avez commencé la pêche, Antoine? À 15 ans. Ah ouais? Vous avez jamais prévu de vous arrêter? Non, non. Jamais? Non. Tant que vous avez la santé... Voilà, je travaille. Bon, je sais pas, Antoine, je sens que c'est le bon filet, celui-là. Ah, langouste! Oh là là, il y en a encore deux, trois, quatre. Là, c'est un aspirateur à langouste, là, ce filet. Alors, on peut la mesurer, c'est ça, là? Ouais, je la mesure. Non, elle est bonne, elle est bonne. Elle est limite. Donc on peut la garder, elle est vendable. Elle est à la taille, comme on dit, à la maille. Ouais, à la maille, ouais. Celle-ci, elle a l'air petite, non? On la rejette à la mer. Allez. Trop petite. Oh! Un homard! Un homard, dis donc! Un beau bébé, hein? C'est homologué, ça? On prend toujours du vin corse, alors? Je suis pas sûr, hein? Salute! Voilà, eh! Salute! T'es comme moi, c'est trop tôt pour toi, ça? Ouais, ouais, ça va aller. Hein, on est d'accord. Hein. Les trempettes? Dans le vin rouge. C'est bon dans le café et dans le vin rouge. Ah oui? Oh là 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 là. Ah, ça c'est beau. Ah, ça c'est beau, Antoine. Hein. Ah, ça c'est beau, hein.
J'en ai jamais vu des si gros, moi. Rien que la pince, c'est un steak, quoi. Ça fait bien, attention que je ne me mâle pas, hein. Ouais. Je fais pas le cadeau, hein. Ah, je suis bien content pour vous. Ah, ça me fait plaisir, bien sûr. Bravo, Antoine. Hey, champion. La Corse est la quatrième plus grande île de la Méditerranée. Sur plus de 1000 km de côte, elle compte 200 marins-pêcheurs professionnels. Au petit matin, ils sont les premiers à troubler la quiétude du port d'Ajaccio. Michel et son fils sortent en mer tous les jours, si le temps le permet. Le père a commencé il y a 40 ans, mais n'est toujours pas lassé de ce spectacle. On découvre chaque fois quelque chose de mieux. Tous les jours, c'est de plus en plus beau. Le plaisir de ce métier. Michel a transmis à son fils Jean-Michel l'amour du métier. Ce dernier n'a jamais imaginé travailler dans un bureau. À 30 ans, il est devenu pêcheur à son tour. Ah, depuis tout petit, en fait. Pendant les vacances, j'allais avec mon père sur le bateau. Après, c'est devenu une passion. Et après, on en fait son métier. Il y a cet esprit de vouloir continuer la profession pour pas que ça se perde. On entend souvent dire que c'est un métier dur. Mais bon, après, quand il y a le soleil et que la mer elle est comme aujourd'hui, c'est plus un plaisir qu'autre chose. À l'entrée du golfe d'Ajaccio, près des îles Sanguinaires, père et fils relèvent les filets calés la veille à 70 mètres de profondeur. Une technique respectueuse des fonds marins. Ici en Corse, on pêche avec le trémail. C'est un filet qu'on appelle le trémail parce qu'il y a trois mailles. Il y a deux grosses mailles et une petite au milieu où le poisson se piège tout seul. C'est la pêche pratiquée par tous les pêcheurs corses. Hein. Ce matin, les langoustes sont au rendez-vous. C'est le graal du pêcheur. De mars à septembre, on fait la langouste, plus le poisson. Fin septembre, la langouste est fermée. C'est en période de reproduction. Jusqu'au mois de décembre, après, on fait les palanques. Et après, au mois de décembre, on fait la saison d'oursin qui dure jusqu'au mois d'avril. Quand c'est mauvais temps, ça nous fait des vacances. En fin de matinée, les deux hommes rentrent au port. La pêche rythme la vie de ces amoureux de la mer. Le nombre de pêcheurs en Corse baisse chaque année, mais ils restent très attachés à leur tradition. La Saint-Érasme est la plus importante. À Ajaccio, on célèbre avec ferveur le saint patron des marins et des pêcheurs. L'église de la vieille ville se met alors aux couleurs des professionnels de la mer. C'est la confrérie Saint-Érasme qui organise cette journée si particulière. On est tellement dévoués à notre patron, on lui rend les honneurs, les hommages. Voilà. On est en plein. Mario a rejoint la confrérie de Saint-Érasme il y a plus de 30 ans. Peu connu sur le continent, Érasme est un saint bien ancré en Méditerranée. Au IIIe siècle, cet évêque italien aurait accompli un miracle pour ses pêcheurs. Un jour, des pêcheurs qui sont allés tirer les filets, ils ont essuyé une tempête et il y avait avec eux l'évêque de Formia. Ils ont appelé les bons dieux pour faire calmer la tempête et la tempête s'est calmée. Donc ils se sont sauvés et à partir de ces jours, Saint-Érasme, il est devenu le patron des navigateurs et des pêcheurs. Pour tous les Corses vivant de la mer ou sur la mer, cette célébration est le temps fort de l'année. Après la messe, les membres de la confrérie mènent la procession jusqu'au port d'Ajaccio. Ils sont tous à peu près apparentés à des familles de pêcheurs, ce que vous voyez là. C'est les gens qui sont aux filles, aux pêcheurs à la retraite, tu vois, femmes de pêcheurs disparues. C'est pour ça que nous, on fait ça. En honneur à eux. La procession se poursuit sur l'eau pour la bénédiction.
Comme le veut la tradition, pêcheurs et plaisanciers accompagnent la vedette sur laquelle se trouve la statue du saint. Michel, avec son association de pêcheurs, a contribué à remettre cette fête au goût du jour. Il partage ce moment avec sa famille et ses amis. 30 ans en arrière, ça commence à se perdre. Et avec le poignet du pêcheur, on a relancé cette dynamique. Et maintenant, chaque année, c'est un rendez-vous. 1, 2, 3, allez. C'est pour honorer tous les gens qui sont morts en mer. Et c'est un porte-bonheur, voilà. Un rendez-vous devenu immanquable pour Michel et ses proches. Et c'est l'occasion de se retrouver tous entre pêcheurs et passer un peu de bonheur, voilà. Et maintenir la tradition. Fin des festivités sous les feux et au son des cornes de brume. Saint-Érasme veillera sur les cornes de la mer jusqu'à l'année prochaine. Ce petit village d'Ota là. Ouais, c'est sympa. Hein. Alors là, on arrive au restaurant chez Marie. C'est ça, le restaurant de ma mère, ma grand-mère. Bonjour. Bonjour. Depuis tout petit, je suis là. Je suis né au milieu des casseroles. Ah oui ? J'avais le landau, ma mère me mettait sous la table de la cuisine et je dormais là. D'accord, pendant que la famille faisait la cuisine c'est pour ça, le restaurant. C'est ça. Là, ici, alors, c'est une cuisine comment ? Alors, c'est plutôt une cuisine familiale. Tu peux pas partir sans faire la recette des cannelloni. Ah ! Maman, mamie, là-haut, venez. Alors, bonjour. Je vous présente bonjour. Jérôme. Bonjour. Voilà. Jérôme. Enchanté. Votre prénom ? Marie. Marie. Enchantée, Victorine. Victorine. La maman d'Antoine, la mamie. Maman, mamie. Voilà, Jérôme, je l'ai emmené et j'aimerais bien que vous lui montriez un peu comment on fait les cannelloni, enfin, si c'est possible, la recette, voilà. Qu'il voie un peu comment on fait. Ouais. Ben, alors, on va peut-être, on va essayer, parce que c'est ma mère qui les fait. Écoute, on va pas lui dire le secret, hein. Bravo. Je vous promets, ça restera entre nous trois la recette. Bon, tout à alors, fait. Personne ne saura rien. Allez, alors, on y va. Rentre. On se tutoie, hein. Allez, on se tutoie. C'est allez, parti. Tu as raison. Bon, à tout à l'heure. On se rejoint après pour manger. Ouais. Ça marche, à tout à l'heure. Allez, Jérôme, au boulot. J'ai mis les lunettes du chef, attention. Donc, les et donc ça, c'est le brooch. Ça, c'est le brooch. Le cannelloni, il est d'origine italienne. Oui, c'est ça. Mais après, on peut le farcir avec la viande ou avec le brooch. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier, celui de Marie et Victorine ? C'est fait maison, c'est fait à la main. Ah, c'est fait à la main ? Oui. Je mets la main à la pâte aussi. Voilà, oui, allez, essaye un petit peu. Allez, on va essayer. Donc, jaune d'œuf, menthe, non. Fromage maintenant, frais. Maintenant, voilà. On met la main. Tous les ingrédients sont mixés à l'exception du fromage. Voilà. Pour pouvoir se mélanger mieux. Oui. Voilà. J'écrase un peu les morceaux quand même. Là. Celui-là, il est gros. Ouais, on va l'écraser. Voilà. Allez, la farce, elle est faite. Maintenant, il faut remplir les cannelloni. Ce qu'il faut faire, c'est prendre un cannelloni. On remplit le cannelloni en poussant sur la poche. Pour bien le garnir. Et voilà. Magnifique. Voilà, à peu près ça. Voilà, très bien. Encore un peu. Voilà, c'est bravo bien. Jérôme. Allez. Moi, j'arrive pas. Je le fais toujours avec les doigts. Ah oui, oui. Tu commences la veille pour le lendemain, non ? Si vous voulez, je vais moquer de moi, hein. Oh ! Ah oui, c'est vrai que c'est plus long, hein. Cette recette, elle vient de ma maman. De ta maman. Ce que j'aime bien dans votre cuisine, c'est qu'il n'y a que des femmes. C'est pas si fréquent, les cuisines où il n'y a que des femmes. Les hommes, bon, c'est mieux au comptoir, devant et derrière. Parce que les hommes, des fois, c'est difficile. Encore, c'est quand même les femmes qui commandent. Est-ce que c'est vrai, ça ? C'est vrai. Hein ? Plutôt ? Oui. Oui, c'est ça ? Voilà, ce plat est terminé. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. S'il te plaît, va te laver les mains. Bien, chef. Allez. Je vais vous embêter. Hop. Allez, viens travailler au lieu de rester comme ça, hein? Bras croisés. Allez. Qu'est-ce qui se passe ? Viens travailler. Ah ben, je me lave les mains. Tiens. Mais c'est pas croyable comment elle est. Allez, tiens. Mais voilà l'autorité des femmes. Ah ben, dis donc. Voilà. Allez, il faut mettre la sauce. Donc là, il y a quoi ? C'est une sauce tomate ? Voilà, fraîche, hein, qu'on a encore les tomates du jardin, qu'on a mis du basilic, du laurier, du thym. C'est beau, très hein ? Très parfumé. Qu'est-ce que la ça va être bon ? Très bien, bravo. Ah oui, c'est... Allez, le gruyère. Tu vas faire un petit gratiné dessus ? Oui.
Voilà. Et je vais essayer de refaire ça chez moi. Alors, non, le mouche, hein. Ah ben oui, tiens. Ben pourquoi pas. Voilà. Et mes amis vont vouloir goûter. Eh ben ils viendront là, okay. Ils seront les bienvenus. Basta. Basta, c'est bon. Oui. Terminé. C'est très beau. Alors comment ça va se passer, Marie, parce que tu as décidé de poser le tablier, mais j'ai l'impression quand même que tu vas passer ton nez par le rideau de temps en temps pour voir ce qui se passe ici, non ? Ben ah, oui, ouais. Bien sûr. Tu vas arriver à lâcher la cuisine comme ça ? Un petit c'est peu. C'est très difficile. Ouais. Très elle difficile. Vient pour 100 grains de sel, parce que moi, c'est, je ne sale pas assez. Et ah voilà. Oui. Et non, voilà, donc. Pas assez. Donc c'est... Et moi, j'aime bien que ça soit relevé, que ça soit bien épicé, tout ça. Donc, voilà. Elle met son grain de sel dans la cuisine et aussi dans les plats. Voilà. Non, c'est ça. Et m'a laissé le pouvoir. D'accord. On dira, et j'essaye de lui montrer que j'y arrive aussi, que je peux continuer. Mais les miens sont meilleurs. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, tout à fait. Alors, on prend le plat et on enfourne. Combien de temps ? Oh, une demi-heure. Regardez, il faut voir comme ça, vous allez là-bas. C'est un personnage, hein, ta grand-mère. Il n'y en aura pas deux comme ça. Hein. Non. Non, mais non. Vous entendez le petit-fils comme il parle, hein ? Et moi, j'attends les cannellonis. Ah. On va se régaler. Et voilà, allez. Les cannellonis sont prêts. Merci. Ça sent bon, hein ? Alors, avec un peu de salade du jardin. Et bon appétit. Allez, bon appétit. Goûte. Après, tu me dis s'il manque le poivre, le sel, la menthe. Bon, mais c'est ça qu'on s'en bat dans. Arrête. Attention. C'est très, très bon. Ah bon, parce qu'autrement, mis. Je te fais marcher, je te fais marcher. C'est très bon. Ah, c'est bon. Ce petit gratiné. Et on sent bien la menthe, mais juste ce qu'il faut. Du coup, je trouve que c'est très bien équilibré. Ouais. Tu cuisines un petit peu ou pas, toi ? Moi, non. Pas du tout ? Non. Ah, je laisse cuisiner ma mère et ma grand-mère. Bah oui, en même temps, je peux comprendre. Hein. Chacun son métier. Hein. Franchement, et pour du surgelé, c'est vachement bon. Du surgelé. Oh, cabrotido. Oh, madonna. J'ai ouï dire qu'un certain Antoine poussait la chansonnette. Oh. Et que depuis que je suis là, j'en entends parler, mais je n'ai pas encore entendu le son de sa voix. Tu veux bien, Antoine ? Ouais, on fera l'effort. Oh, genre. Oui, oui, bien sûr. Ça, ça me ferait plaisir. Tutti i viali d'amore, quando li si apre nuova tu l'albore, e da quella una coda d'un ligore, manda di una mano per favore, mi vece tu c'è un capo e c'è un tuide, ed è d'un altro senso alle mie lide, fu per me come un anello. E lo versone è il mio verire, ça envoie, hein. Bravo, hein. Elle est fière, mamie, ou pas? Ah oui, oui, oui. Je vous remercie pour ce partage en cuisine, ce partage à table. Et le partage en Corse, c'est une notion très importante. Et puis te remercier plus personnellement, Antoine, de m'avoir fait découvrir la belle région du Golfe. Ça nous fait plaisir à nous aussi, de montrer ce qu'on fait, tous nos produits, et voilà, hein, c'est la Corse. Ouais, c'est la Corse. Merci à toi. Il est timide, hein, finalement. Hein. Et bien voilà, mon voyage se termine. Je suis toujours autant émerveillé par les sublimes paysages de la Corse et également par sa nature sauvage.
J'ai vraiment apprécié à la fois le sens du partage, la générosité, le sens de l'accueil ici des Corses. Et je me suis régalé également de leurs spécialités, nombreuses et goûteuses. Je remercie tous ceux qui m'ont accompagné. Évidemment, Antoine Accorté, mais les Antoine de Porto, Anne, Manu ou encore Claire, la bergère. Merci en tout cas de m'avoir fait découvrir à la fois votre territoire et vos talents culinaires. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles échappées belles dans d'autres contrées lointaines. Vous pouvez revoir ce programme en replay ou bien nous suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt. Au revoir.